Une moyenne de 2 buts accordés à 2,87, un taux d'efficacité de 906. Bon match, mesdames, messieurs, c'est parti. Mise en jeu gagnée par Montréal. Territoire neutre, Slavkovski. Hors de portée pour Kidney, c'est ramené devant le but. Ce sera repris là par Mathias Norlinder. Norlinder, relais sur sa droite pour Barron. Passe devant Slavkovski. Slavkovski, la feinte, devant le filet, la passe qui a tout juste raté, passé derrière son coéquipier Philippe Méchard. Des changements apportés par Jean-François Houle qui est derrière le banc de Montréal ce soir. En sortie de zone, voilà Méchard, laisse sur sa gauche pour Norlinder, belle feinte, Norlinder devant le filet, Méchard le tire, bel arrêt de Warm qui a résisté, le retour qui a tout juste raté la cible. La plus belle occasion des Canadiens en première période jusqu'à présent. Rosen à la ligne bleue, passe arrière, intercepté. Sortie de territoire pour Condotta, ça mène en surnombre. Condotta laisse sur la droite, un tir à Red Warm, retour sur la droite. Chekhaï a hésité à aller chercher le retour, ce sera finalement repris par Komarov, qui encaisse le solide coup d'épaule de Chekhaï en territoire neutre. Sortie sur la droite, une passe contre la rampe, un pivot de Beck. Et voilà la sortie de Montréal qui s'amène 3 contre 2. Trudeau laisse sur la droite, transversale à Harris, le tir à Red Warm. Pas de retour alors que la pression s'amenait vers le filet. Un dégagement soulevé au centre, ça a touché Trudeau. Voulait ramener sur sa droite, revirement, 2 contre 1, Buffalo. Bloom a échappé le disque et perdu l'équilibre par la suite. C'est Owen Beck qui va relancer au centre. Harris laisse du côté droit vers Hennemann. Le tir de but! Émile Hennemann, 1-0 Montréal. Méchard l'emporte. Dégagement par la bande, ça va se rendre à l'autre extrémité. Ça glisse même à la gauche de Warm. Le Slavkovski s'amène en pression, un échec avant. Récupère, c'est devant, la passe, la fête, et le but! En infériorité numérique, Philippe Méchard, c'est 2-0 Montréal. Ça lui reviendra en territoire défensif. Donc les Canadiens sont de retour à formation complète. On est sur la droite, un peu d'espace là. Weisbach laisse de l'autre côté, le but! Josh Passolt, qui avait été oublié sur le flanc gauche, un 2 contre 0 pratiquement, qui se dessinait contre Verbedic, et c'est 2-1. Montréal prend le contrôle, Trudeau envoie par la rampe, ça ira vers Francis. Transversal le long de la pointe, Belzola, le tir dévié, et le but! Ça a passé entre les jambières de Verbedic, et c'est 2-2. Slavkovski, ça passe intercepté. Weisbach déborde, la passe interceptée à son tour, c'est Slavkovski qui décampe sur la droite. Slavkovski applique les freins, regarde qui se libère, belle passe. Du revers, devant le filet, on voulait faire dévier, ça a dévié sur le bâton de Kidney, qui était devant Beck Warm. Du revers qui s'accoffe, laisse au centre pour Savoie, rondelle bondissante. Ça va réussir à trouver Weisbach, relais devant, arrêt de Verbedic. On a tenté de le surprendre de l'arrière de la ligne rouge, il n'en fut rien. Trudeau jette un œil derrière, pivote, et va relayer à Beck. Beck, la feinte, axe central, le tir, arrêt de Warm. Jouait ce match avec le Rocket l'an dernier, Condotta. Là devant le tir, oh, quelle occasion pour Emile Hennemann, laissé seul devant le filet. On s'amène en zone adverse. Rusek passe sur la gauche, c'était derrière Rosen. Rosen à Lindgren, le tir, dévie le but. Rondelle qui a été touchée devant le filet et les sabres prennent les devants. Condotta dans le coin, amène derrière le filet. Hennemann envoie du revers à la ligne bleue, la feinte. De Norlinder, s'avance. Norlinder, toujours avec le disque, le tir, a perdu la rondelle, le retour devant est bloqué par Warm. C'est Buffalo qui prendra le contrôle de la mise en jeu. Komarov passe dangereuse devant le filet, revirement. Trudeau s'amène, passe du revers, dévié, rondelle bondissante, bel arrêt de Warm, deuxième retour disponible. Il sifflait, se fait entendre, alors qu'on jette un long coup d'œil sur la position de la rondelle. À la reprise de l'action, c'est Nolan Burke qui s'incline à la mise en jeu pour les Sabres. Voilà une frappe de Chekhaï bloquée par Warm. Le long de la rampe, sortie de territoire via Burke. Burke s'amène à 2. Avec Passolt de Burke vers Passolt, dévié, mais ça a touché le poteau à la droite de Verbedic. Dégagement par la rampe, intercepté par Passolt. Relais devant, 3 contre 1. Calvert, transversal, le tir dévié par Verbedic. Ça a peut-être touché le bout de son bâton et c'est raté à la droite au final. On ramène à la pointe. Autre tir. Arrête Verbedic encore une fois. On libère sur la gauche. La passe interceptée. Il y a une chute de Buteau. Revirement. Voilà l'entrée de zone. Slavkovski reçoit du côté droit. La passe de retour devant le gardien. Ça glisse jusqu'à Warm. Et à nouveau, on entend le coup de sifflet. Kidney pivote à Slavkovski. De l'autre côté, trop long pour Méchard. Forcera Norlinder à s'amener. Un beau pivot. Norlinder devant le filet. C'est dévié. Rondelle libre devant. Récupéré par Buffalo. Dégagement qui dévie sur un bâton. Komarov passe derrière lui. Contact solide, mais évité de peu par Lindgren. Simoneau
Place sur la gauche. Un tir, arrêt de Warm. Pas de retour, sifflé avec 13,55 à jouer. En deuxième, on reprendra la droite du gardien des Sabres encore une fois. Voilà Barron, sortie de zone vers Slavkovski. La feinte, Slavkovski a tenté de traverser la défensive des Sabres. Ça n'a pas fonctionné. Dégagement intercepté. Méchard à Slavkovski, le tir a été amorti par un bâton devant lui. 3-2 Buffalo. Voilà Stapley. Stapley, belle feinte, le tir. Quelle occasion pour Brett Stapley. On amène à la pointe. Barron s'avance. Barron, le tir, touche en défensive. Bâton fracassé pour le défenseur des Sabres, il y aura pénalité. Gagné par Buffalo, derrière le filet. Sova, par la rampe, intercepté par Michak qui avait bien lu le jeu. Laisse sur la gauche. Barron, derrière. Norlinder, le tir. Bon arrêt pour Souranek. À Norlinder, le tir de Barron bloqué. On espérait peut-être voir un retour du côté de Slavkovski. Norlinder, au cercle. Tir de Kidney, ça a touché le poteau. Devant le filet, Trudeau. Relais arrière vers Harris. Harris à Trudeau. Le tir boxé par Souranek alors que Stapley lui payait le prix devant le filet. Dégagement tenté par Buffalo. Ce sera repris en zone neutre. Pression mise par Lindgren. Il provoque le revirement. Lindgren à sa gauche pour Kisakoff. Le tir arrête Verbedek. C'est balayé par Stapley vers le coin. Et ça va se rendre à l'autre extrémité. Verbedek. L'essai de la ligne bleue pour Slavkovski. Slavkovski derrière. Le tir arrête la mitaine de Souranek qui résiste à cette frappe de Jordan Harris. On reprendra en territoire des Sabres. On a été très prudent du côté des deux gardiens des Sabres au niveau du contrôle des retours. Philippe Méchard, c'est sautillant. Vers Trudeau. Trudeau passe à Slavkovski. Slavkovski sur la droite, la frappe vive, bloquée au retour. Bel arrêt du bouclier de Souranek. Voilà Tourigny. Passe contre la bande, voulait trouver Henneman, c'est raté. Weisbach a perdu du revers. Beck a tenté de ramener devant. Souranek a habilement fait dévier dans sa mitaine. Et à nouveau reprendra, mais cette fois en territoire des Sabres. Voilà Miguel Tourigny. A perdu le disque. Occasion à 2 contre 1. Là, c'est Weisbach. Laisse de l'autre côté. Bon repli de Beck. Et par la suite, un généreux coup d'épaule de Chekhov. Voilà du côté droit. Henneman s'avance. Henneman du revers. C'était bien déguisé, là, ce tir. À Kidney, par la bande à Slavkovski. Voulait relayer à son défenseur. C'est raté. Occasion peut-être en échapper, là. Un 2 contre 1 potentiel. La fin. Tire du revers et le but. En infériorité numérique. C'est Tyson Kozak qui marque son deuxième du match et c'est 4-2 Buffalo. Buteau. Une feinte. Laisse du côté droit. Berzola pousse en territoire neutre. Savoie à prendre la vitesse. Savoie transversale déviée. Arrêt de Verbedek. La rondelle qui demeure libre à sa droite, mais on a eu un sifflet un peu précoce qui va générer une mise en jeu en territoire de Montréal. Place du côté gauche. Perte de rondelle, revirement territoire neutre, ça va à Slavkovski. Se démarque, Slavkovski, la feinte, devant. Quelle occasion, alors qu'il cherchait Kidney, qui n'a pas été en mesure de se libérer pour un tir. Komarov, ça met dans zone adverse. Revirement, Henneman, place sur sa droite. Relais à Beck, Beck s'avance, c'est le début! Owen Beck, c'est 4-3! A réussi à exploser de vitesse et à déjouer les défenseurs des Sabres. Il les a pris de court carrément. Et Owen Beck marque le troisième des Canadiens dans ce match. Coin de la patinoire vers Davidson. Voilà un tir de la pointe boxé par Souranek. Le retour dévié. Le gardien qui cherchait la rondelle derrière lui. Toujours libre. On travaille dans le coin. Là, Davidson a chuté, a été fauché. Ramènera derrière à la ligne bleue. Norlinder laisse au cercle. Barron, transversal, Davidson a fendu l'air. La sortie de Cederqvist. Relais devant pour Passholt qui a perdu pied. Chekhov vers Slavkovski, fait dévier à Kidney. Kidney, le tir, ça touche l'extérieur du but. La passe tentée vers Kidney. À la ligne bleue, Chekhov va reprendre. Chekhov s'amène en territoire adverse. Déborde sur la gauche, derrière, Slavkovski s'avance. Du revers, arrêt. Souranek laisse la rondelle libre devant. C'est toujours libre, ça se retrouve derrière le but. Est-ce qu'on réussira à nouveau à gagner la mise en jeu chez Montréal? Oui. Transversal, Barron, le tir, bloqué. La rondelle lui revient, il va quitter la zone. On force tout le monde à revenir au centre. Et c'est ainsi que se termineront ces premières 60 minutes d'action de la saison 2022-2023. Une victoire des Sabres de Buffalo, 4-3 sur les Canadiens de Montréal.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Place à la mise en jeu pour ce match entre les Canadiens et les Devils. Mise en jeu gagnée par Montréal. On installe l'attaque massive chez les Devils. Passe du côté droit à Philmon. Philmon, le tir, arrêt. Le retour devant dévier le but. Le tir provenait de Riley Walsh qui s'est avancé de la pointe et c'est 1-0 le New Jersey. Du revers, Harris rejoindra son coéquipier derrière le filet. Passe soulevée, bondissante. Attention à Guaidon qui s'échappe sur la gauche. Guaidon, le tir touché par le gardien Schmid. C'est passé par-dessus par la suite. En zone neutre. Voilà Holtz. Holtz déborde sur la droite. Holtz tente une passe devant. Dévié, le tir qui a dévié sur le gardien Mercer avant de quitter la surface de jeu. Un bon déplacement gauche-droite pour le gardien Mercer des Canadiens. À la ligne bleue. Philmon. Place sur la gauche. La rondelle lui revient au décercle. Philmon le tire. Ça a touché la barre et ça se retrouve hors de la surface. On reprendra à nouveau en zone des Canadiens. On est de retour à forces égales. Ball à la pointe. Un tir bloqué par Pierrick Dubé cette fois. Dans le coin de la patinoire. Perte d'équilibre de Talvitie. Revirement. La sortie appartient à Trudeau. Trudeau. Place sur la gauche pour Dubé. Dubé vers Trudeau. Le tir et le but! William Trudeau, l'égalité créée. Une belle combinaison entre Pierrick Dubé et William Trudeau. Et c'est l'égalité 1-1 en première période. On ira à la pointe droite. Groslo s'avance au cercle. Le tir bloqué devant lui. Attention, peut-être occasion de surnombre pour Montréal. Heinemann s'amène. Heinemann avec Kidney. Choisit de tirer. Arrêt de Schmid avec la jambière gauche. Transversale. On voulait laisser devant le filet beaucoup de générosité pour Emil Heinemann. Relais devant. C'est poussé par Jerry. Les Devils incapables de franchir la ligne bleue en possession de la rondelle pour le moment. Kidney sur le flanc gauche. Kidney s'avance, passe devant le filet. Fait un seul tir du revers de Beck qui a raté la cible. Walsh, le tir, change de trajectoire devant le filet. Le retour appartient à Holtz. Holtz subit la pression de Dubé. Provoque le revirement. Attention, pourrait décamper chez les Canadiens. Guindon s'amène, le tir, arrêt de Schmid. Il a regardé derrière lui, finalement choisi de conserver la rondelle sous sa mitaine. Incursion sur le flanc gauche pour Parent. La rondelle ira à bord à la pointe. Relais devant pour Stillman, le tir, dévié devant le filet. Mercer a résisté. Walsh, un passé vers zone défensive. Relais au centre et un bâton fracassé. Celui de Nolan Foot, la contact de Simoneau sur Stillman. Chaudement disputé, cette mise en jeu, dégagement intercepté. Méchard à Norlinder. Laisse du côté droit pour Harris. Harris laisse tout près du but. Voilà un tir de but! En avantage numérique, Philippe Méchard, son deuxième du tournoi et les Canadiens prennent les devants. Laisse en territoire central, c'est pris là par Pierrick Dubé. Dubé a raté la passe de retour. Rondelle bondissante, il récupère 2 contre 0. Devant le filet, quelle occasion pour Cédric Guindon qui a fendu l'air. Talvitie s'amène en infériorité, seul de son camp, tant que l'aide s'amène. Nemeth voulait appuyer, c'est finalement récupéré par Beck. Beck s'avance, 2 contre Montréal. Beck choisit de tirer, arrêt de Schmid. Le retour va à sa droite. A marqué de 2-1 pour Montréal, les marqueurs. Méchard son deuxième du tournoi, Trudeau son premier. La réplique est venue de Walsh du côté des Devils. Passe devant le tir, bel arrêt. Alors que Schmid a résisté un tir à bout portant. Dégagement réussi par le New Jersey. Kidney. Cette derrière, la passe dans les patins de Trudeau. Trudeau au cercle, le tir d'Eneman, dévié, rondelle libre devant, finalement balayé hors de danger. Dégagement qui va glisser derrière Eneman et ça va trouver Foot qui sort du bord des pénalités. Un contre un, Foot, l'aide s'amène transversale qui va rater son coéquipier Talvitie, revirement. Canadien qui s'amène en surnombre. Simoneau s'amène, Simoneau, la passe tentée vers Eneman, finalement choisi de tirer. Une course remportée par Jerry qui relance rapidement vers la zone opposée. Territoire neutre. Beck laisse du côté gauche. Passe devant. Fin seul. Le tir. Bel arrêt de Schmid qui résiste à Emil Heinemann qui avait trouvé une ouverture devant le filet. Passe du revers intercepté. Parent bousculé le long de la rampe. On va céder derrière le filet. Passe sur le flanc gauche. On espérait trouver Dubé. C'est raté. Un tir. Bel arrêt de Mercer. Retour devant. Parent le but. Xavier Parent profite d'une rondelle abandonnée devant le gardien des Canadiens. Et l'égalité créée, c'est 2-2. Le retour va à Centorame. Pour Davidson, une frappe bloquée. Retour devant, bel arrêt de Schmid qui a résisté
à John Parker Jones à bout portant. Parker Jones qui a sorti l'épaule par la suite. Et là, il est assailli par Okotiuk et la bagarre éclate. Parker Jones a un fort gabarit pour les Canadiens. 6 pieds 7, 229 livres. Et celui qui est venu l'affronter, Nikita Okotiuk, à 6 et 1, 194. À la reprise de l'action, revirement à la ligne bleue. Méchard a perdu. Rondelle soulevée. Philman s'amène un contre un contre Harris qui joue bien défensivement. Philman reprend par la suite. La passe arrière interceptée par Méchard qui décampe. Stapley veut se défaire de la pression. A été mis en échec par Corson. Revirement. Guindon laisse du côté gauche. Des cercles. Un tir. C'est bloquant défensif. La rondelle revient dans le coin. C'est Fairbrother qui avait décoché. Autre tir de la pointe. De Dubé cette fois qui a été bloqué devant lui. Beck. Transporte au centre. Ça mène avec la rondelle chez les Devils. Beck déborde sur la droite. Le tir, arrêt de Schmid. C'est passé par-dessus le filet après avoir touché son épaule. Et ça frappe l'écran de protection. Le jeu s'arrête avec 9 minutes 58 à jouer en deuxième période. C'est l'égalité 2 à 2. Vous la placez du côté gauche. La rondelle qui a fait un drôle de bond, mais trouve tout de même le territoire central par la suite. Davidson s'avance. Le tir, arrêt de Schmid. Le dégagement sera réussi jusqu'au centre. Ça s'est transformé en passe là, pour Brody Crane. Crane derrière à Holtz. Holtz le tire. Arrêt, retour. Bel arrêt. En fait, ça a touché le poteau à la gauche de Mercer. Je croyais qu'il avait arrêté avec sa jambière gauche, mais non. Rondelle perdue dans le coin. Beck va reprendre. Ça semblait se refermer devant lui, mais là, voilà une sortie de territoire intéressante pour Harris. Harris s'amène dans son adverse. Le tir du revers. Arrêt de Schmid. Harris a perdu pied. Méchard, il en appuie également. 3 secondes à jouer à la période. Ça reviendra à la ligne bleue et ce sera la fin de ce deuxième 20, non sans un contact entre Foot et Trudeau qui ne mènera à rien d'autre. Ce sera la relance des Devils, non sans que Dubé insiste auprès de Nemetz. Passe sur la gauche, touché par Guindon. Et à nouveau, c'est un revirement 2 contre 1 Montréal. Guindon s'avance avec Dubé. Le tir, arrêt de Schmid, la rondelle bondissante qui touche la jambière gauche du gardien. Une autre belle occasion pour Montréal en infériorité numérique. Ce sera la sortie pour le New Jersey. Jerry, ça met dans zone adverse. Ça passe dévie sur Trudeau. Contact dans le coin de la patinoire. Relais devant, le tir. Bel arrêt de Mercer qui a résisté à Walsh. Sortie montréalaise via Harris. Passe vers Parker Jones qui manque de précision. Walsh va reprendre. Envoie par la bande. Norlinder a laissé, a joué le joueur plutôt que la rondelle. Là, c'est une occasion pour D'Amico qui s'est amené seul. Mercer a résisté. Dégagement territoire neutre. Groslo va laisser sur la gauche. La passe en entrée de zone pour Holtz à nouveau. Holtz s'avance, côté revers. N'a pas été en mesure de décocher. La fin seule devant le filet. Un tir. Oh, quel arrêt! C'est Simoneau qui est venu sauver la situation. La rondelle était libre derrière Mercer. Okotiuk. Ça fait être dangereux. Là, c'est un revirement qui est provoqué. Beck devant le filet. Beck, le tir, le but! Owen Beck en plongeant. Les Canadiens prennent les devants. Troisième période. Guindon perd le disque, ça va glisser devant le but. Ce sera finalement sorti par Norlinder. Une passe sur la gauche qui va dévier, forçant Harris à reprendre dans le coin. Passe devant, fin seul. Arrêt de Schmid. On avait complètement oublié le joueur des Canadiens devant le filet. Mise en échec derrière le filet, mais la rondelle trouve Norlinder. Norlinder, zone centrale. Vers Beck. Beck, belle feinte. Beck, dans le coin. Surveillé par Walsh qui a perdu l'équilibre. Beck travaille d'arrache-pied. Un nouveau revirement provoqué par Montréal en zone adverse. Transversale vers Trudeau du côté gauche. Trudeau ramène à sa droite. Un tir de Tourigny. Bondissant devant du revers. Beck et c'est Schmid qui vient le frustrer. Alors que Ball a empêché un retour éventuel devant le filet. Heinemann s'en mêle. Au retour, on cherchait Foot à nouveau, mais la passe a dévié avant de le trouver. Walsh reprend la pointe droite. Vers Ball. Tir hors cible, la rondelle bondit à Stillman, vers Walsh, le tir, arrêt, au retour, quelle occasion ratée devant le filet par Nolan Foot. Derrière le filet, ça va Jerry. Billy Jerry, à la hauteur des cercles, laisse à la ligne bleue, bon, la fin, c'est perdu. Attention, occasion d'échapper. Dubé, le tir, arrêt de Schmid, qui a résisté à cette échappée de Pierrick Dubé. Autre occasion cependant, mais Davidson va rater sa passe. Ball récupère au centre. Faudra surveiller la sortie éventuelle du gardien des Devils. On envoie derrière le filet. Une passe tentée devant. Le tir, le but! Alexander Holtz, avec 1 minute 46 à jouer, ramène les équipes à la case départ. C'est 3-3. Travail de Méchard, mais ça ira à la pointe pour Ball. Ball laisse au cercle. Philman, la transversale. Le tir, bel arrêt de Mercer. Holtz
revient à la ligne bleue. 3 secondes. Faudra faire vite, là, Parent. 7 derrière. Du haut des cercles, un tir. La rondelle va rater la cible et ce sera la fin de la troisième période avec une marque à égalité 3-3. Il restera 34 secondes d'avantage numérique aux Devils. Voilà, foot. Travail derrière le filet. Derrière à Holtz. À la pointe pour Nemetz. Nemetz à Holtz, un tir, bel arrêt de Mercer. On ramène sur Nemetz, pointe centrale. À Holtz, sur réception, et c'est le but en avantage numérique. Alexander Holtz qui donne la victoire aux Devils du New Jersey après seulement 17 secondes de prolongation. Marque finale en prolongation. Le New Jersey 4, les Canadiens de Montréal 3. Pour la première mise en jeu, on en va au centre de la glace. Owen Beck qui a déjà 2 buts dans ce tournoi. Il va affronter Zach Ostapchuk et c'est parti. Bon match, mesdames, messieurs. Mise en jeu gagnée par les Canadiens à Trudeau. La rondelle lui revient à la pointe. Manœuvre et cède de l'autre côté pour Tourigny. Tourigny dans le coin. Passe transversale qui a été bloquée. Ça revient à Tourigny à la hauteur des cercles. Tourigny passe dans le coin. Simoneau ramène sur Tourigny. Laisse à la hauteur des cercles. Un tir de but! Émile Hennemann, son 2e du tournoi des recrues. C'est 1-0 Montréal. On amènera derrière le filet. Sorti sur la gauche, cette fois télégraphié, qui va dévier à être intercepté par Montréal. Passe du revers dans le coin. Slavkovski était fin seul devant. On trouve Trudeau au haut des cercles. Trudeau. C'est dans le coin de la patinoire. Bon mouvement de rondelle pour Montréal. On voulait ramener par l'arrière du filet. Ça manque un peu de force, mais ça trouve tout de même Slavkovski. La feinte. Veut se défaire de Yarventi. Place devant le filet. La passe devant tentée. Ça a dévié sur Roger qui a bien failli envoyer ça entre les jambières de son gardien de but. On a joué de chance un peu chez les Sénateurs sur cette action. Boucher déborde sur la droite, applique les freins, laissera derrière le filet de Coulombe, ça ira sur le côté opposé. Newcomb a poussé derrière la spirale. Bel arrêt de Coulombe qui a résisté à un tir à bout portant. Et on entend à nouveau le sifflet pour une remise en jeu en territoire montréalais. Travail le long de la rampe alors que l'on se bouscule à 4 pour être là. Il y avait Latimer, finalement c'est récupéré par Crookshank pour les Sénateurs. Zone neutre, ça va à Guénette. Guénette vers Crookshank, le tir arrête Coulombe, la rondelle qui bondit derrière le filet par la suite. Passe dans la zone privilégiée. Guénette s'est saisi par la mitaine d'Antoine Coulombe. Il n'y aura pas de retour. Simoneau, place sur la droite. La passe au centre, déviée par Hennemann. Ça va trouver Simoneau sur la gauche. Simoneau derrière le filet. Simoneau soulève à la pointe. Ça va à Chekai. Laisse devant le but le tir. Et là, arrêt de la mitaine de Mandolez et qui est venu voler Émile Hennemann à bout portant. À la remise en jeu. Michak, 7 derrière, autre tir bloqué par Vandolese qui a jeté un timide regard derrière finalement. Il avait bel et bien le contrôle du disque. On reprend au même point. On bagarre à 4 dans le coin. Même 6 joueurs sont pris là pour cette bagarre pour la rondelle. Il y a un 4e joueur des Canadiens qui s'en mêle. C'est Barron, laisse à Goulet. De l'autre côté à Kidney. Kidney, le tir, le but! Riley Kidney en avantage numérique, 2-0 Montréal. On réussit à se déployer, à sortir du côté gauche. La passe au centre. On va trouver Yarventi. Derrière le but, intervention de Newcomb. Laisse à la pointe. Un tir, beaucoup de circulation devant Coulombe. Le retour et le but. C'est marqué par Carson Latimer. Et c'est maintenant 2-1. Il y avait énormément de trafic devant le gardien des Canadiens là-dessus. Owen Beck gagne la mise en jeu. C'est poussé pratiquement pour lui-même là. Par son coéquipier, une passe devant Slavkovski. Le tir, arrêt de Mandolese. Il va couvrir par la suite. 17 secondes à jouer. Crookshank vers Roger. Perte de rondelle à Slavkovski. Seul de son camp, Slavkovski. A jeté un œil à savoir si l'aide s'amenait. Conserve la rondelle. Passe à contre-courant. On l'a voulu laisser devant. Quelle occasion pour Beck. Du revers. Ça ira à McDonald. À la pointe, interception, laisse sur la droite, Barron, la feinte, le tir, arrêt de Mandolese, au retour devant le filet, bel arrêt sur Stapley cette fois, qui paye le prix par la suite, a été frappé par 2 joueurs des Sénateurs. Dégagé du revers par Hamara, ça va Yarventi, en entrée de zone, vers Crookshank, Crookshank passe devant le filet, dévié, bel arrêt de Coulombe. Derrière le but, il y a eu contact sur Latimer pendant ce temps. Il y a un début d'altercation et c'est la bagarre là, qui éclate. Chekai qui va régler des comptes avec Massicotte. Oh! Une droite fracassante d'Harbert Chekai. Massicotte saigne du nez. Va quitter vers le vestiaire.
Harbert Chekaï, 6 pieds 4, 218 livres. Zachary Massicotte, 6 pieds 4, 216 livres. Mais Chekaï est allé d'une droite dévastatrice. C'est gagné par Montréal. Passe sur la droite. Francis a jeté un œil derrière. La rondelle qui trouve Slavkovski. Slavkovski, place du côté gauche. La fin devant le filet. C'est devenu finalement un tir pratiquement cadré sur Mandolese. Daou au centre. A perdu le disque à Simoneau. Crookshank va intervenir. C'est finalement Méchard qui s'amènera en zone adverse. Méchard devant. Passe devant le filet. Fin seul. Du revers. Beaucoup de dentelle et le but! Spectaculaire! Xavier Simoneau qui complète une superbe manœuvre. Et les Canadiens mènent 3-1. Le dégagement sera complet, récupéré par Caden Gooley, zone défensive. Au centre, Simoneau. Laisse sur sa droite pour Gooley. Gooley, le tir, arrêt de Mandolese, pas de retour. Mise en échec sur Roger, pendant que Parker Jones reprend la rondelle. Intervention à la ligne bleue de Roger qui voulait placer plus loin. Parker Jones lui a fait perdre, se lance à la poursuite du disque. John Parker Jones, la fête, du revers, le but! John Parker Jones en échappé, 4-1 Montréal. Méchard à Barron, tire sur réception, une frappe vive, bien parée par le défenseur Mandolese. Ça revient à Barron, autre tir, bloquant défensif. Prise 3 pour Barron, c'est touché par le gardien encore une fois. Il y avait beaucoup de circulation devant le gardien des Sénateurs. Derrière le filet. Toujours en protection d'ondelle, laissera la pointe droite. Ça bondit hors de portée pour Järventi. Une occasion en infériorité numérique. Stapley passe par-dessus le filet. Un tir faible, mais qui avait complètement mystifié le gardien Mandolese. Sur la gauche, Daou laisse vers Crookshank. Crookshank renvoie du revers à la pointe pour Donovan. Faible passe devant. Un passé avec McDonald. Le tir bloqué. Et le but au retour. Crookshank, qui travaillait dans la zone payante, réussit à marquer un deuxième pour les Sénateurs, un but en avantage numérique. Et c'est 4-2. Romeo laissera sur la gauche, a touché le bâton de Kidney. Revirement, Slavkovski, peut-être le temps d'une montée. Slavkovski tire du revers. Arrêt de Mandolese, voulait ramener devant. Slavkovski place sur le flanc droit. Ça avait touché Méchard, et là, c'est Beck qui décoche. Arrêt de Mandolese. On reprend en zone des Sénateurs. Derrière le but. On ramènera sur Chekaï. Chekaï, le tir, touche la jambière droite de Mandolese. Et s'est arrêté de filet par la suite. Dubé, rejoint par Daou. Reprend la rondelle. Dubé, laisse vers Gourlay sur la gauche. Gourlay. 360, coupe au filet. Gourlay, le tir, arrêt, retour devant. Bel arrêt. Mandolese qui a résisté à deux reprises. On va derrière le but. Gourlay surveillé de près Rollins. Le passe soulevé en sortie vers Parker Jones. Parker Jones laisse derrière lui un tir. Arrêt de Mandolese. Et le but! Le gardien des Sénateurs avait amorti la rondelle qui franchit la ligne rouge. Brett Stapley fait 5-2. Récupéré par Barron derrière le but. Michak. C'est dans la zone adverse de Simoneau. Simoneau reprend. Arrêt de Kevin Mandolese. Sur l'aide de Parker Jones, ça lui fait au moins 2 points dans le match. Trudeau, le tir. Dévié devant le filet, le but! Xavier Simoneau, son deuxième du tournoi et son deuxième de la journée. Et c'est 6-2 Montréal. Le tir de la pointe, dévié, ça passe par-dessus le but. Slavkovski reprend. Voulait placer devant. Autre passe devant, dévié, Méchard frustré. 1, 2, 3 fois. Rondelle libre qui passe entre les jambes de Chekaï. Et ça va tout régner. Ça dévié en zone centrale. Le capitaine Fairbrother va laisser du côté droit. Une passe soulevée. Francis amène vers Stapley qui ramène du gant au bâton. Un tir de Parker Jones. Bel arrêt de Mandolese là-dessus. Wakely et Michak. Gagné par Michak, sa mise en jeu va directement dans la baie vitrée derrière le but. Passe est perdu devant, ça a touché la barre. Le choix de deuxième tour d'Ottawa l'an dernier. C'est de la pointe, arrêt de Coulombe. C'est le retour, la spirale ne fonctionne pas. Coulombe dit non. Fairbrother. On va sur la gauche. On passe tenter vers Beck.
Beck, rejoint par Daou, a bondi contre lui et s'amène vers le filet. Beck, le tir a raté la cible. Venez devant. Travail de Milo Rollins au centre, il a perdu la rondelle. Voilà un tir arrêt de Mandolese. Ça, j'ai gagné par Montréal. Chekai, laisse du côté droit. Dubé sur réception, c'est bloqué au retour et le but! Miguel Tourigny en avantage numérique. C'est 7-2 Montréal. Attaque le long de la rampe, la passe derrière de Newcomb. Un tir de la pointe, c'est bloqué. La sirène se fait entendre. Les Canadiens qui terminent ce tournoi des recrues avec une victoire convaincante de 7-2 sur les espoirs des Sénateurs d'Ottawa.